I'm Sergeant Luger. This is Sergeant Colt. These are our wallets. Metropolitan Police. We'd like to speak to whomever's in charge. Follow me. Misdemeanor will be right with you, gentlemen. Help yourself to some cookies. Et maintenant, puisqu'on parle de petits caméos bien sympas, je vous propose Alarme Fatale 1. Évidemment, c'est une parodie de L'Arme Fatale. Et le 1, ça signifie qu'ils pensaient vraiment que le film aurait du succès, du coup ils ont marqué qu'il y en aurait plus par la suite. Mais en fait, il n'y a jamais eu de suite, parce que ça a été un gros flop commercial, comme la plupart des films que je vous montre en ce moment. Pour apprécier le film, il faut vraiment avoir vu L'Arme Fatale 1, 2 et 3, parce que c'est les films qui parodient le plus en fait. Mais après, il y a plein de références à d'autres films super connus. Hein. Il y a Basic Instinct, il y a Le Silence des Agneaux, il y en a plein quoi. Et en plus, il y a un casting de dingue. D'abord, les acteurs principaux, c'est Emilio Estevez, qui, comme son nom l'indique, est le frère de Charlie Sheen, et qui est un acteur super connu des années 80. Il a fait aussi quelques films après en tant que réalisateur. En parlant de Charlie Sheen, ben, il est aussi dedans. What? Validated. Et Samuel L. Jackson, qui reprend le rôle donc de Danny Glover de L'Arme Fatale. Mais bon, voilà quoi, c'est Samuel L. Jackson. York was a partner, a friend. I owe her. I owe it to every cop who's ever walked a beat. Every cop who's ever made a bust, who's ever laid his life on the line. Wait a minute. I'm the captain here. I do all the yelling. Il y a Tim Curry en Girl Scout vendeuse de gâteaux. Il y a Whoopi Goldberg. Il y a F. Murray Abraham qui jouait dans Amadeus, par exemple. Il y a Bruce Willis qui joue son propre rôle de John McClane dans Piège de cristal. What the hell are you doing? This is 1014 Pacific Coast Highway. No! This is 814 Pacific Coast Highway! 1014 is two blocks up that way! Et il y a John Lovitz qui, en fait, émule le personnage super énervant, super hystérique de Joe Pesci dans L'Arme Fatale 3, par exemple. All right, I did some money laundering for your standard ex-military psychotypes. Give me a name. Weren't your parents supposed to do that? Le réalisateur et le scénariste, il est pas très connu, il s'appelle Gene Quintano, mais il a beaucoup bossé sur la série des Police Academy, donc c'est un peu ce genre de gag farfelu et de comique visuel. Si vous aimez Y a-t-il un flic pour sauver la reine, Y a-t-il un pilote dans l'avion, Hot Shot, toutes ces comédies délirantes des années 80, ben ça c'est exactement la même chose. Maintenant, dans le film, il y a Emilio Estevez et son frère Charlie Sheen. Ils ont fait un film ensemble qui s'appelle Men at Work, que je vous recommande également parce que c'est une très très bonne comédie qui est pas vraiment connue et ils ont une super alchimie ensemble. Ils sont frères dans la vie, mais même dans le film, ils sont très rigolos et c'est un film que j'aime beaucoup, que je vous recommande également. Et surtout, si vous avez vu la trilogie de L'Arme Fatale, parce que le 4 à l'époque n'était pas encore sorti, vous ne pouvez qu'apprécier cet hommage burlesque et franchement assez original et inventif. Donc, à L'Arme Fatale 1. Yeah,